Eh bien, salut à tous les amis, c'est Exoscar. Comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où, comme vous l'attendez, c'est les FAQ. Donc, j'y réponds tout de suite parce que c'est, comment dire, c'est un peu la fin des vacances. Donc, je voulais vraiment marquer ça en faisant les FAQ des 200 abonnés. Donc, je suis à 208. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc, soit la description de la vidéo ou la description de la chaîne. Normalement, elle y sera aussi. Donc, sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer sans perdre de temps. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé la question. Donc il y a Greg, il y a Nexstar, il y a Choupin, il y a Locrate, il y a Standoff, il y a Jules, Dark Shark et c'est tout. Mais c'est vraiment déjà pas mal. J'ai 27 commentaires, donc c'est-à-dire 27 questions à répondre, sauf une, mais vous allez voir pourquoi. Alors commençons par Greg. J'aime bien le concept pour les règles au live, pour les règles au live, etc. Donc les règles au live, j'en reviens à la fin de la vidéo. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? PS, continue ce que tu fais, t'es le boss. Alors déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir de recevoir ce genre de commentaires. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube? Tout simplement par passion. Parce que avant, si vous voulez, j'avais une tablette et je filmais avec ma tablette et mes petits gameplays sur GTA ou des trucs comme ça. Et j'aimais bien, je trouvais que c'était vraiment amusant et tout. Et du coup, depuis ce jour, on va dire, j'ai eu envie de faire des vidéos. Et dès que j'ai vu que je pouvais me créer une chaîne et tout, j'en ai parlé avec mes parents, puis ils étaient d'accord, puis c'est pour ça que vous me voyez, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui sur YouTube. C'est en majorité grâce à ça. Ça a toujours été une passion de faire des vidéos, même si j'en faisais pas depuis que je suis petit, hein. Vous voyez, ça fait un an. Enfin, j'avais une chaîne avant, mais j'ai, comment dire, plus de téléphone, donc je pouvais plus filmer mon écran de PS3. Donc c'est pour ça que j'ai commencé mon ancienne chaîne sur mon téléphone. Ensuite, je suis passé sur PS4, elle s'est fait bannir, et je suis sur ma nouvelle chaîne à cette heure-ci. Et c'est la deuxième fois que je tourne une FAQ des 200 abonnés. Donc, c'est vraiment par passion. Désolé si je me répète. C'est un plaisir carrément. Je fais pas ça pour l'argent parce que de toute façon j'ai 14 ans. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mon argent? Mis à part m'acheter du matériel YouTube, peut-être. Mais non, franchement, je fais pas ça pour l'argent, contrairement à ce que certains peuvent me dire sur les lives. Donc ensuite, pour la prochaine question. Comptes-tu faire des événements avec les abos, comme par exemple des mini-jeux, etc. Alors, c'est prévu, mais c'est juste que pour l'instant, j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés, donc je peux pas vraiment faire ça. Donc sinon, oui, c'est vraiment prévu faire des cache-cache, des color switch. J'ai une map color switch et c'est vraiment pas mal, je trouve. Donc je pense que pour faire une FAQ, pour faire des mini-jeux, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc dites-moi si vous êtes partant en commentaire. Quel est ton jeu préféré entre Minecraft et Fortnite? Donc ça varie en version du temps. Parce que par exemple j'ai fait une semaine de Minecraft parce que j'adorais Minecraft. Puis maintenant je préfère plus Fortnite, surtout que plus c'est bientôt la fin de la saison, j'essaie de profiter un maximum. En plus ça c'est l'événement Halloween, donc c'est vraiment super sympa je trouve. Bon c'est un peu chiant, je dis pas, quand il y a 15 000 ombres sur vous, je dis pas, c'est très chiant. Donc ensuite, quel projet tu envisages sur la chaîne de la part de Nexstar? Donc du coup merci Greg pour tes commentaires. Je crois que c'est pas fini. Ouais, il y a encore un petit commentaire en dessous, je fais à la suite, hein. Donc quel projet envisages-tu sur ta chaîne dans le futur? Donc déjà un loto, mais ça je ferai une vidéo spéciale pour ça. Donc sinon beaucoup de trucs, vraiment beaucoup de trucs. Comme événement, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas du tout regardé les questions, donc je suis pas du tout préparé. Je voulais vraiment répondre en direct comme ça. Donc tout simplement je dirais, des projets, j'ai vraiment des grosses vidéos. Par exemple faire un clip, mais pas un clip où je me filme, genre un clip comme mon intro, ou une petite histoire, ou des trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment des trucs que j'aimerais faire. Donc ensuite nous avons Choupine qui nous dit, oui les règles pour les modos c'est pas mal aussi, comme ça chacun sait ce qu'il a à faire. Donc du coup j'y reviens à la fin de la vidéo. De la part de Locrate, nous avons, est-ce que tu joues tout le temps hyper tard le soir? Non, je joue aussi l'après-midi de 14 à 16, mais pas tous les jours, hein. Donc du coup, je joue l'après-midi et le soir, mais pas tous les jours. Vous voyez, les week-ends, je joue le soir, un petit peu l'après-midi aussi, mais pas tous les jours, pas tous les jours. Ensuite, nous avons de la part du coup de Greg, nous avons re un commentaire. Est-ce que tu vas faire un emploi du temps pour tes vidéos et live pendant les cours? Pas pendant les vacances. Eh ben, non. Enfin, mis à part que tous les dimanches, il y aura une vidéo qui sort si il n'y a aucun imprévu, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'imprévu. Donc, c'est vraiment ça. Donc, j'essaie de faire des lives le vendredi soir, le samedi soir, et de tourner des petites vidéos, par exemple, souvent c'est des vidéos sans son,
Par exemple, des petits highlights. Je vais peut-être me lancer à en refaire d'autres parce que j'en ai déjà fait un sur ma chaîne. Il a fait 50 vues, donc c'est vraiment déjà pas mal pour un premier highlight. J'arrive toujours pas à le prononcer. Donc voilà. Je pense que ça va surtout être des vidéos sans son. Standoff qui nous dit pour les FAQ, est-ce que tu vas rajouter des nouveaux ou nouvelles modératrices? Eh ben oui, je vais rajouter des nouveaux modérateurs, mais comme en ce moment je l'ai sur Twitch, ça sert à rien que je vous en parle vraiment maintenant, mais sinon oui, c'est prévu que je rajoute. Par exemple, j'avais une idée, je comptais rajouter Greg. Greg, si tu vois cette vidéo, du coup, ben coucou. Je comptais rajouter Greg, du coup. Et il faut encore que je réfléchisse aux deux autres. Donc je sais pas du tout. Puis comme je l'ai sur Twitch, vous avez pas tous Twitch. Donc voilà, c'est pas trop. C'est un peu hors sujet, on va dire. Ensuite, de la part de Jules, est-ce que tu vas faire du RP, please? Voilà. Eh ben, non, je ne ferai pas de RP sur cette chaîne. Enfin, pas pour le moment. En tout cas, je compte pas en faire pour le moment. Donc dites-moi si vous aimez bien le RP. Je sais que Jules, toi t'aimes bien, t'étais fan à chaque fois que je faisais des vidéos RP sur mon ancienne chaîne. Je sais que t'adorais ça. Donc ensuite nous avons Dark. Salut pour les FAQ. Comment comptes-tu faire de la pub pour les gens qui t'ont aidé pour ta chaîne? Oui, je compte en faire, mais j'ai peu d'abonnés. Par exemple, Drizix qui m'a raid 3 fois avec Félin TV. Je compte leur faire de la pub, mais quand j'aurai par exemple 1000 abonnés. Je sais que c'est pas tout de suite, mais je compte vraiment leur faire de la pub parce qu'ils m'ont quand même aidé. Grâce à eux, j'ai gagné 30 abos. C'est vraiment pas mal, je suis vraiment content. Donc oui, c'est prévu. Une petite question de la part de Standoff. Est-ce que tu vas continuer à faire des lives ou tu vas faire des vidéos? Eh ben, je vais faire mes lives sur Twitch, je pense. Je vais faire que sur Twitch parce que c'est vraiment une application. Je trouve que c'est vraiment trop bien pour les lives. Beaucoup mieux que YouTube. Donc je pense que les vidéos, je vais les réserver pour YouTube et les lives sur Twitch. Alors, ensuite, oula, t'as combien de réponses à ton commentaire, toi, Standoff, là? Oh là là. Standoff, tu veux Twitch? Ah oui, ok, donc oui, c'était pour le Twitch. Donc j'étais en train de vous prévenir parce que je peux plus du tout live sur YouTube à cause de ma connexion. Donc c'est un petit peu dur. Voilà. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Juste avant, du coup, je vais vous parler des règles pour les modos. Donc, tout simplement que pour moi, un modérateur ne doit pas bannir 300 secondes ou définitivement un viewer sans mon autorisation. Donc, c'est moi qui dois vous le dire, d'accord? Ensuite, quand il y a des raids, je sais que vous n'êtes pas tous au courant, mais c'est fait pour m'aider. Donc, ne les bannissez pas, ce serait sympa. Ensuite, niveau règles, ben, la politesse, dire bonjour dès qu'on arrive. Bon, ça, je pense que c'est niveau politesse. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous le rappeler. Ce serait. M'obligez pas à vous le rappeler. Je pense que niveau politesse, vous êtes calé là-dessus. J'espère. Quand on arrive sur la live, un petit bonjour de la part de tout le monde, ce serait sympa. Par exemple, des fois, il y en a qui arrivent, c'est tu peux m'inviter, tu peux m'inviter. Dites bonjour quand même, s'il vous plaît, c'est la moindre des choses. Moi, quand je vous vois sur la live, que vous marquez un commentaire, je dis ah bah salut. Puis je dis votre pseudo quoi, enfin. J'essaye d'être un maximum poli, dire le moins en moins de gros mots, parce que j'en dis pas. Pardon. Du coup, c'est vraiment pour moi ça que doit faire un modo. Se respecter entre vous, ne pas reprendre les gens sur leur faute d'orthographe ou des trucs comme ça. C'est parce qu'il y en a qui peuvent vraiment le prendre mal. Donc du coup, et ben voilà. Mais à part si vous avez des autres idées en commentaire, mettez-les moi. La prochaine FAQ, je pense la faire aux 500 abonnés. Ça vous dit ou pas? Une autre FAQ aux 500 abonnés, dites-moi si ça vous convient. Et une fois qu'on aura fait celle aux 500 abonnés, nous aux 1000, aux 100 000, aux 1 million, aux 10 millions, aux 100 millions. J'y arriverai jamais jusque-là. Bon bah du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi. La vidéo préparation de la FAQ a fait 71 vues, je suis vraiment content. Et 8 likes. Donc que demander de plus franchement. Likez cette vidéo, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis à bientôt les amis.